reçoit la Parité Week en compagnie de Glenn Goodsmith, responsable des opérations internationales chez Desicon. En quelques mots et quelques chiffres, est-ce que tu peux nous présenter Desicon, s'il te plaît? Bonjour, Desicon, c'est une plateforme d'affiliation internationale. Alors, on est actif depuis maintenant 22 ans. On met en relation, en sorte, environ 2000 annonceurs sur toute l'Europe avec 40 000 médias en ligne. Ok. Concrètement, aujourd'hui, comment vous aidez les e-commerçants, les retailers et même les marques dans leur développement? Alors, c'est pas toujours évident de savoir les bons partenaires, en fait, pour faire la promotion de sa marque, son produit ou son service en ligne. Nous, on leur permet de donner ce conseil, comment justement avoir ces médias actifs qui leur permettent justement de promouvoir, d'envoyer des visiteurs sur leur webshop ou leur service. Et ça, de notre côté, on va mesurer tout ce qui se passe. Il n'y a pas de grand investissement en fait de la part des annonceurs, car ils paient simplement s'il y a des résultats, donc des ventes, des leads, etc. Et ça leur permet du coup d'avoir une présence en ligne sur nombreux types de médias. Super. Est-ce que tu aurais éventuellement des références clients ou des cas d'usage dont tu pourrais nous faire part aujourd'hui? Alors, on travaille énormément avec d'importants annonceurs internationaux, mais aussi des plus petits nationaux, des noms connus avec qui on travaille. Par exemple, on travaille avec Ubisoft, avec Emma Matelas, avec Disney+, par exemple. Mais on travaille aussi avec des plus petits webshops en France, Bioloca, des webshops un peu plus spécialisés. Donc, on n'a pas vraiment de cible particulière. Super. On est sur le salon de la Paris Retail Week. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous retrouver sur un stand? Si oui, lequel? Alors, on est présent à la Paris Retail Week, donc au stand SU24, donc au village des startups. Donc, vous pouvez nous rencontrer notre équipe sur le stand. Le rendez-vous est pris, donc au stand SU24 au Startup Village qui est tout au bout de la Paris Retail Week. Merci à toi.